J'aime bien dire que je fais un peu de tout, mais pas très bien. Je me considère pas comme un artiste. J'ai l'impression que je suis un imposteur. J'ai pas fait d'école. Je suis pas un circassien, je suis pas un théâtreux. J'ai l'impression que je suis plus un bricoleur. Depuis tout petit, j'ai commencé à dessiner ou à démonter, à remonter à ma sauce des jouets avec de la colle, avec des élastiques, avec du scotch. Puis depuis tout petit, ouais, j'ai bricolé, quoi. Je pense que c'est lié à l'enfance. Moi, je pense que j'ai adoré faire du vélo quand j'étais gamin. Et c'est un objet hyper simple, mais quand même hyper complexe, où on peut détourner facilement. Alors, le concept des vélos rigolos, c'est de divertir les gens avec des vélos un peu bizarroïdes, d'essayer de trouver des astuces pour avoir encore plus de sensations. Présenter le cyclotron, un vélo qui découpe des bûches. J'aimerais vous présenter le sorbello, c'est un vélo qui fait du sorbet. Jerry, il a l'œil pour les objets qui racontent des choses, qui ont une âme. Et il a aussi un amour pour ces objets et un soin pour les remettre en état ou les détourner de leur usage initial. Et pour vous ? Ça, c'est magnifique. Ça crée des choses hyper poétiques. Il a beaucoup d'humour aussi. Et donc, quand ils débarquent dans un événement, ben, ça crée tout de suite une émulation où les gens, ils entrent dans le jeu. Enfin, c'est très ludique. Il est passionné. Il passe des heures et des heures tout seul dans son atelier à réparer des trucs et à se heurter aussi à des problèmes techniques. C'est inimaginable les heures de travail qu'il y a là derrière. À la fois la patience et la passion qu'il faut pour mener ça à bien. Là, j'ai pu transformer un peu l'avant, le moteur, changer le moteur thermique en électrique. Ah ouais, c'est propre, t'as tout changé le... Ouais.
C'est une hybride, quoi. C'est une hybride, ouais. Je peux aller dedans. Hop. Tu peux aller dedans et tu verras qu'il y a une petite pédale, c'est pour le moteur électrique. Cette voiture, c'est la voiture qu'on va utiliser pour un spectacle pour le Paléo, pour faire des déambulations avec le public. Du coup, les batteries sont derrière. Trop bien. Ça a coûté combien, les batteries? Ça a coûté 400 francs. Ah ouais, quand même. Ouais, ce sera tout ça de moins sur notre cachet Paléo. Hein. Ou peut-être sur le tien. Hein. Je suis né en Inde, j'ai été adopté par une famille suisse. Je suis arrivé à 8 mois ici, chez Antoinette et Charlie. Mon enfance, c'était assez difficile de s'intégrer. Il y a pas mal de racisme. À l'école, c'était la catastrophe. Moi, je me suis retrouvé avec un ami qui est handicapé, puis ils nous ont mis au fond de la classe. Ils nous ont dit, ben voilà, toi, t'es différent. Du coup, tu vas passer toute ta scolarité au fond. Il se sentait différent parce qu'on le lui montrait. C'était quelque chose qui était violent. Il le traitait de bougnoul ou de nègre, carrément. Et il a eu un parcours vraiment très chaotique. Ensuite, il avait des difficultés réelles d'apprentissage en ayant une très forte dyslexie, dysorthographie qu'on n'a jamais pu vraiment régler. Hé hey ! Ciao, chérie, ciao ! Ciao. Non. Ouais, il est là, ouais. Après, j'ai vraiment tout gardé. C'est la première photo qu'on a reçue de l'orphelinat de Bombay. Donc, tu as quelques mois, c'est assez étonnant. C'est surtout pour nous annoncer que c'était cet enfant-là qui nous était attribué. Voilà. Okay. Je pense que la plus grande claque dans l'adolescence, c'était quand j'ai pu aller en Inde. Ça, c'était quelque chose qui a été un bouleversement un peu dans ma vie. Ouais, une urgence. J'ai effectivement trouvé un jour Géry dans sa chambre, dans une grande détresse. J'ai senti comme un appel, comme un SOS pour dire « mais qui suis-je ? Qui suis-je là tout d'un coup ?» Et là, je lui ai tout de suite dit « tu sais Géry, je crois que vraiment là c'est important, il faut qu'on y aille. » On arrive à Bombay, puis là on était visiter l'orphelinat de Mère Teresa, c'est ça ? Mm-hmm. Ouais. Ouais, ça je m'en rappelle parce qu'il y avait pas mal d'enfants, on avait pu aller voir les nourrissons. Oui. Il y avait des photos, je crois, des lits bleus et des lits blancs. Géry, je crois, pour me sécuriser, m'avait dit « Non, maman, tu sais, je ne vais pas en Inde pour rechercher ma mère biologique. J'y vais surtout pour savoir d'où je viens. » Antoinette, elle me disait souvent que j'avais pas choisi d'être adoptée et puis que je restais un enfant libre de choisir la famille que je voulais et que je restais un enfant de la terre. Mais non. Ouais. Ce que t'as trouvé. Alors. Yes. Ça, c'est pour les Airbus Jordan. Trop bien. Alors, à Paléo, cet été, on va faire un spectacle qui s'appelle Festi Boutique Mobile. Donc, on est les deux et on déambule dans le festival pour vendre des objets farfelus et prétendument indispensables aux festivaliers et festivalières. Avec la main PQQ, vous pouvez à tout moment aller chercher votre papier toilette dans la cabine d'à côté. Oh yeah!
J'aimerais vous présenter le Parapluie 2000, un produit indispensable pour les festivaliers. Le Parapluie 2000... Ben, en fait, il ne faut pas que tu commences une phrase si tu ne sais pas encore ce que tu vas dire. Donc, il ne faut pas que tu aies peur de prendre le temps tant que la mémoire elle n'est pas là. On nous annonce une dépression atmosphérique. Atmosphérique ? Essaye de monter à la fin. Atmosphérique ? Ouais. Mais pas de panique. Même la pluie tombe à pic. Essaye beaucoup plus fort et puis comme une pub, tu vois, avec mon volume de voix que j'ai maintenant. Ouais. Et en insistant plus sur les consonnes. La Pelletroupe, on nous annonce une dépression atmosphérique. Oh, mais pas de panique, avec Festivoutique, même la pluie tombe à pic. C'est beaucoup mieux. Ouais, c'est mieux sans les cartes. Quand tu te marres, c'est mieux. Ouais, hein. Mais oui. Mais j'ai toujours fait ça depuis que je suis enfant, de fabriquer quelque chose puis de le montrer aux gens. Et à un moment donné, on m'a mis sur scène. Et moi, j'avais rien demandé. Et en une année, je me suis retrouvé sur des festivals... à prendre cette espèce de costume pour être dans un personnage. Bonjour, professeur Shankar. J'aimerais vous présenter la catapoule, un outil scientifique pour envoyer des poules dans l'espace. À 1, 2, 3, poules ! Ouais, le vent. De temps en temps, je participe à des soirées ou événements, puis là, c'est une soirée burlesque où je suis venu avec un appareil photo de 1920. Je l'ai construit il y a quelques années parce que j'avais envie de redonner vie à des soufflets puis à des vieilles chambres photographiques. Je mélange des techniques anciennes avec des techniques numériques de nos jours. Can go a little bit down. Yeah, perfect. So, oh, c'est belle. You like? Oh yeah. I can print this one. You both. Merci. Yeah. And I send you the 3 pictures digital. That's so pretty how the dress is shining. That's beautiful, yes. Yes. Comment tu fais que la réflexion, c'est avec cette lampe en fait? C'est avec la lampe, ouais. Ouais, ils sont impressionnés, ils sont intrigués, curieux. Ouais, y a les yeux qui brillent, quoi. Et puis c'est un partage. Ça me fait plaisir, et puis je vois leur plaisir, et puis c'est tout gagné, quoi. Je pense que les soirées burlesques, ouais, c'est quelque chose qui me fascine. Ces paillettes, toute cette mise en scène, des fois les effets spéciaux, les lumières, la danse. L'authenticité, et puis c'est des soirées où les gens, ben, ils sont atypiques ou originaux, puis c'est ça qui me touche.
nous reste à peu près 5 jours. On roule sur l'autoroute. Bonjour, bonjour, bienvenue au Laos. On va essayer d'arriver au haut du col du Rotten. On est à plus de 4000 mètres d'altitude. À vous de voir. Après l'école, j'avais envie de descendre en Inde par la route surtout, et puis par la force physique et mentale, surtout prendre le temps de voyager au gré du vent et des saisons. Le fait de couper toute sa vie et de s'en aller comme ça à l'aventure, ça t'amène beaucoup de questionnements, de remises en question. Et de... Ici, on n'avait pas d'assurance. Hein. Je me rappelle que nous, on n'avait pas la thune pour ça. Puis du coup, on a pris juste des casques à vélo pour 6 mois, une année. Et puis ça a duré 3 ans et demi. Quoi. Avec Jerry, on s'est rencontrés 6 mois à peu près avant son départ. Et lui, il a fait toute la route de la Suisse en Inde. Et puis, moi, j'ai pris un raccourci par avion. Je l'ai rejoint directement à New Delhi. Il y a eu pas mal de soucis avec le climat. Des fois, plus de 50 degrés dans les déserts en Iran. Des éboulements au Pakistan, les moussons en Inde. Des fois, peu de nourriture, peu d'eau. Des cols à plus de 4000 mètres d'altitude. En Inde, c'était assez compliqué. C'était à double tranchant, avec ma tête d'Indien et puis mon passeport suisse. Et en parlant pas la langue, c'était ou pris bien comme un enfant qui revenait au pays. Ça, ils pouvaient le comprendre, ou j'étais traité comme un espion ou quelqu'un qui veut du mal au pays. Moi, je me rappelle quand on arrivait dans des guest houses et puis moi, ils me considéraient comme une étrangère, mais en fait, ils étaient là, mais c'est qui l'Indien? Qu'est-ce qu'il fait avec... Que tu n'avais pas le droit, en fait, de rester venir, dans les guest houses de foreigner. En fait. Et puis avec mon passeport suisse, j'avais du mal à aller dans les guest houses d'Indiens. Voilà, ouais. Et des fois, ils nous foutaient dehors à coups de bâton, ou ils appelaient les flics pour nous faire virer nos affaires. Des fois, on le considérait comme un taliban. Donc, il y avait des moments, je pense, c'était pas hyper évident aussi pour lui de trouver sa juste place. Un des moments forts, c'était quand même d'arriver à l'orphelinat. Il y avait tous les enfants de l'orphelinat qui nous attendaient dans la cour. On a reçu des fleurs. Ce qui était important, c'est qu'on a pu consulter les papiers de l'adoption, voir le nom de ma mère biologique et sa religion et son âge. Je pense que ça a calmé, ça a apaisé certains questionnements qu'il avait par rapport à lui, par rapport à justement cette autre culture qui fait partie de son identité, justement. Là, un retour de voyage comme ça, on ne peut pas reprendre le cours de la vie normale. Déjà avant, j'avais de la peine à m'intégrer dans cette société. Et puis à un moment donné, en rentrant de ce voyage, c'était encore plus dur. Je ne savais pas trop quoi faire de ma vie. Il faut bien apporter quelque chose à cette société. Et ses créations, tout ce côté
entre guillemets artistique, ben c'est aussi pour éveiller de les curiosités, dénoncer, interroger les gens sur notre façon de vivre. Tu me dis stop. Comme ça, ça va? Sûr? Ok. Je suis presque prêt. C'était toi la première. Hein? Comment tu t'appelles? Victoria. Alors tu te tiens bien au guidon. Ça va aller, tu verras. Ça va bien se passer. Pas trop vite, pas trop vite. Ah ouais. Même un peu plus lentement. Barbe à papy, en fait, c'est un vélo qui fait de la barbe à papa. En voyageant, j'ai vu pas mal de vélos qui se déplaçaient de village en village pour aiguiser les couteaux ou faire des jus de fruits. Et voilà, championne. Et j'avais envie de fabriquer quelque chose d'accessible pour tous. Pour moi, ça a toujours été hyper important que toutes ces animations soient participatives et gratuites. Ça va pour toi? Oui. Oh, bien. C'est hyper important que les gens aient du plaisir sur ces animations au spectacle. Les temps qu'ils auront ça, ben je continuerai à faire ce que je fais. Ce tableau de bord, c'est en fait la commande pour la piste d'atterrissage. Pour l'astro-avion, ça permet d'envoyer des couleurs pour que l'avion puisse atterrir ou décoller. Attention à toute l'équipe, est-ce que vous êtes prêts? Mais vous verrez, ça va bien se passer. C'est les débuts de notre compagnie. Hein. Léon, ça va? Nous avons un vol à destination du Japon. L'astro-avion, je pense que c'est le rêve d'un enfant, quoi. C'est de voler, d'être astronaute. On est déguisé en pilote, on va dans la stratosphère, on a un brevet de pilote, il y a aussi toute la magie aussi avec les bulles. Quand on monte dessus, on retrouve aussi cette joie du manège quand on était gamin. Il se passe quoi là? Il y a le moteur qui fume, attention, attention! L'aspect théâtral et mise en scène, c'est venu de l'équipage. Après, on a des effets un peu de fumée, pyrotechnie. Chacun apporte un peu son grain et ça donne un joli mélange. Je dirais que c'est un rêveur lucide. Ça, j'ai trouvé la formule et je pense que c'est très juste. Oui, il rêve, mais en même temps, il est conscient des choses. C'est bon. Aujourd'hui, à 39 ans, moi, je dirais qu'il a trouvé sa voie. Où il se sent bien avec les autres. Je crois qu'il est maintenant bien dans son identité.
Je me sens, je pense, épanoui de pouvoir créer, développer ce que je veux sans forcément avoir des contraintes, de pouvoir être libre. Comme dans le voyage, de pouvoir bouger à gauche, à droite, dans plein d'événements, de manifestations, de pouvoir partager aussi ses délires ou ses créations, pour moi c'est le top, quoi. Je m'éclate.